Alors bonjour Salah. Bonjour, mais c'est moi. Alors tu parles à haute voix, d'accord? D'accord. Alors on va lire un deuxième texte. Alors le titre du texte? Le chien. Très bien, le chien c'est le titre. As-tu un chien? Très bien, c'est une phrase interrogative. As-tu un chien? Est-ce que tu possèdes un chien? Est-ce que tu as un chien? Aimerais. Tu avoir un chien? Alors tu répètes la phrase. Aimerais-tu avoir un chien? Aimerais-tu avoir un chien? Aimerais-tu avoir un chien? Tu répètes. Aimerais-tu avoir un chien? Très bien. Alors on dit c'est une phrase interrogative. Une phrase interrogative se termine par point d'interrogation. D'accord? D'accord. Ici on a inversion du sujet. Qui coule le sujet ou le verbe? On a donné le verbe ou le sujet. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Alors on continue. Aimerais-tu avoir un chien? Tu veux avoir un chien? Tu veux posséder un chien? On continue. Le chien est l'animal domestique le plus populaire. Le plus? Populaire. Très bien. C'est l'animal domestique. Alors quel est l'antonyme de domestique? Domestique. On l'a déjà vu dans le texte précédent. Sauvage. Très bien, sauvage. Alors, le chien est l'animal domestique le plus populaire, c'est-à-dire le plus connu, d'accord? Le plus connu, le plus élevé. يعني هو الكلب يعني معروف عند الناس. يعني الأغلبية ديال الناس كيربيو الكلاب. D'accord? D'accord. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Très bien, le chien est le meilleur ami de l'homme. Et le كلب le chien est un animal, حيوان. Il est un صديق, أحسن صديق ديال الإنسان. D'accord? D'accord. Plusieurs personnes parlent à leur... Non, on ne dit pas parlant. Parle. Est du pluriel. Alors, plusieurs personnes, on peut remplacer personne par il. Plusieurs personnes, ils parlent à leur chien. Alors, parle est un verbe du premier groupe. Le premier groupe, qu'est-ce qu'il a à la fin? ER. Très bien, sauf le verbe... Parle. Non, le verbe... Un verbe qui a ER à la fin, il n'est pas considéré comme verbe du premier groupe. Allez. Le verbe aller. Alors, plusieurs personnes parlent à leur chien. Même au téléphone. Très bien. Alors, qui me dit que vous avez dit que vous avez téléphone. Le chiot. Le chiot. Et le petit. Et la chienne et la femelle. Alors, non. Le petit s'appelle le chiot. La femelle, là. La chienne. Le mâle. Chien. Très bien. Alors, chien. Chien, chiot. Un chien peut comprendre environ 200 mots. 200 mots. Mots. Alors, quel mot qu'il fait? Mais il y a une kelma. D'accord? D'accord. Mais après le dressage, on a quand dressé ou bien j'ai appris les mots. D'accord? D'accord. On fait des gestes. Maintenant, quand on peut les coucher. كنديروا يدينا هكا بحال كنبينوا لك كنقول له مثلا كلشي هي اجلس او انعس داكور ولا مثلا كنقول له اسي يجلس الوغ كنستعملوا يدينا داكور اون في دي جيست هذا كيتسمى لو دريساج لو سيان اي دونك انيمال ان انيمال تري انتيليجون الوغ سي اون في لا ليزون Très intelligent. Très bien. Le chien est un animal très intelligent. Ou hayawan daki. Alors, puisqu'il comprend 200 mots, d'accord? Alors, 200 mots, c'est pas facile. La machine, c'est la machine. Alors, le chien est donc un animal intelligent. Le chien peut sentir et entendre les choses beaucoup mieux. Que nous. Voilà, alors le chien, il peut entendre et sentir. Il peut entendre et sentir. Il peut entendre d'accord? D'accord. Ou alors, le chien qui peut entendre et d'accord? Il a un flair puissant. Il peut entendre et sentir. D'accord? D'accord. Un chien a environ 40 ans. Très bien. Il est le plus grand de 40 ans. Les poils du chien poussent très vite. Très bien.
très vite. Et dans le zrab diallo, qui est notre dria, il pousse très vite. Un chien en bonne santé peut vivre environ 15 ans. Très bien. Et dans le kelb, il peut vivre 15 ans. Il n'y a pas de malade. D'accord. D'accord. Il a quand même du sahajida en bonne santé. Il peut vivre 15 ans. Alors maintenant, on passe aux questions de compréhension. Alors, un chien peut. Alors, d'ailleurs, quand vous regardez les questions, hello, alors qu'il connaît une naya, je vous ai dit le texte. Voilà, après le texte, dit le chat. Alors, on reste comme l'eau la phrase. Alors, on a six mots, on a six les kalimat manquant, reste un mot. Bon, on a des mots qui manquent, on a des kalimat naqsin, reste un mot. Alors, un chien peut. Alors, un chien peut quoi? On a le texte. Alors, un chien peut comprendre. Voilà. Alors, peut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Il peut comprendre beaucoup. De beaucoup de mots. Très bien. Le chien peut comprendre. Alors ici, un chien peut comprendre. Comprendre beaucoup de mots. De mots. Alors, un chien a environ 40. Alors, 40 dirhams. 40 quoi? 40 dents. Très bien. Alors, quel bandour bain sna. 40 dents. Alors, Naya, le et petit, le petit. Alors, comment s'appelle le petit du chien? Le chiot. Très bien, le chiot et le petit. Le chien est un animal domestique. Ça va? Très domestique. Bien. Domestique. Alors, le chien est un animal domestique. Wa hayawan alif. Très bien. La chienne est la le fa le la chienne est la et le mâle? Non. La chienne est la femelle. Très bien. Et la femelle. La chienne et la femelle. Ses poils, comment ils poussent? Poussent très vite. Très vite. Excellent travail, monsieur Salah. Alors regarde bien, دائما الكلمات او الاسئله اللي كتكون عندي في كنلقاو الاجوبه ديالها النص dans le texte. D'accord? D'accord. كنلقاو الاجوبه في النص. يعني ما تقلبش عليها شي بلاصه اخرى, يسي في انك تقلب في النص باش تلقى الكلمات اللي الاجوبه المناسبه.